Bonsoir à vous, c'est Meiko Tao et nous partons pour l'épisode 13 sur Space Hulk Deathwing. Alors, petit résumé de ce qui se passe en ce moment, hein. Je me suis un peu mieux renseigné, enfin, j'ai un peu mieux réfléchi sur la situation. J'étais totalement. Je nageais totalement dans le flou lors du dernier épisode. Je jouais juste pour le plaisir, enfin, ce que je fais toujours, mais. Du coup, donc résumé de la situation, je rappelle, nous sommes enfin arrivés, nous avons enfin été dans le Caliban's Wheel pour récupérer l'artefact de la vision qui était dangereux, artefact qui était en réalité le patrimoine héréditaire de l'impérateur, donc qui ne doit surtout pas tomber aux mains des Gen Stealers, sinon ils vont le souiller, mon Dieu. Sauf qu'il semblerait que justement il y ait des Gen Stealers qui ont déjà pris le patrimoine en leur corps et qui essayent de s'enfuir, et c'est ce que nous essayons actuellement de faire, c'est de les dégommer avant qu'ils rejoignent la flotte tyrannide pour éviter que ce secret, que le patrimoine héréditaire se casse. Donc voilà, c'est le petit résumé rapide des épisodes précédents. Nous repartons pour défoncer ces Gen Stealers, c'est parti! We finally found the artifact that I had seen, and perhaps was the source of the visions that beset the Librarius. In the ancient Dark Angel's ship, we uncovered a conservation chamber that held ancient gene seed from the Legion of the Lion, a gift of the Emperor's genius. Even as we celebrated this discovery, a terrible brood lord, the final evolution of gene stealers, assailed us, and we only vanquished it with much difficulty and loss. Our brothers came to our assistance, and with them we secured Caliban's will to ensure that no gene stealers would seize the precious gene seed. Mission confirmation received. The ship will open fire once you've evacuated the area. Voilà, but de la mission, évacuer le périmètre, le vaisseau fait feu direct pour défoncer les capsules de survie des gene stealers qui se cassent, donc nous on doit se barrer. Semblerait pas qu'on ait de temps. Voilà, alors je parlais de patrimoine héréditaire, mais eux ils appellent ça le patrimoine génétique. Créé par l'impérateur. L'empereur, pardon. Crève. Oh oh. Oh merde. J'ai ouvert le. Oh putain! Alors honnêtement c'était une erreur, enfin j'ai ouvert le portail par erreur, mais c'est pas une si mauvaise erreur que ça, parce que mes deux potes étaient morts et moi ça allait pas tarder. Je vais pouvoir en profiter pour recharger vite fait. Et on y retourne. Alors il y a un gros. En fait il y a un gros alpha dans le tas et il fait très mal. Bah, il a dû mourir. Y a pas qu'un alpha d'ailleurs. Alors... Oh putain, c'est. Alors, c'est le bordel complet, je n'y comprends strictement rien. Bon, ça va être l'échec et ça va être le recommencement de la mission. Voilà! Bam! Oui, on a déjà vu ça. Donc, excusez-moi pour ce petit souci, hein. Voilà, c'est ce qui arrive, hein. Écoutez, le jeu, s'il était trop facile, ça serait pas marrant. The strength of the Deathwing holds secure the Caliban's will. And the gene seed store is currently safeguarded. Merde, il nous refout tout. Escort ah non, 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 non. Xavier Array Interface Chamber. Mission parameters incoming. We finally found the artifact that I had seen. Mission confirmation received. C'est bon. The
Bon, on est censé partir par où? Derrière, ici. Donc on va à droite. Normalement, c'est sur ma droite. Ouais, d'accord. J'abandonne mes frères, je suis désolé, je me casse. Je crois là le but c'est juste ça, hein. Le but c'est juste de se barrer comme un enfoiré et... Pas du tout. Putain. Oh la vache. Est-ce que j'ai pas un truc que je pourrais changer pour améliorer? Non, clairement pas. Oh, je pense que le lance-flamme, ça reste le mieux. Il y a toujours son canon à plasma. Donc, je pense que ça reste le mieux l'équipement que j'ai actuellement. Mais mes amis, honnêtement, ça sent la fin du truc là. Ça sent la fin. Putain, mais il veut pas mourir. J'ai plus de heal et il s'attaque à mon pote. Mes amis, la mission est ratée. Ah, ça va être chiant là. Ça va être chiant, ça va être chiant. Bot, il va se faire tuer là-bas parce qu'il est pas doué. Toi, ton pote Belial, t'es mort. Enfin, mais... On y va, on y va, on y va. Amant surchauffe. Pas complété du tout ton action. Déverrouille-moi cette porte. Oh putain, mais... Je t'ai pas demandé de me heal depuis tout à l'heure, je t'ai demandé de déverrouiller la porte.
Tu me la déverrouilles ou t'attends comme un glandu? Merci. Maintenant tu me suis. Mes amis, j'ai qu'une seule chose à dire. Alléluia. Voilà, normalement, je vous ai fait juste un... J'ai dû vous faire une ellipse parce que j'ai beaucoup ragé et... Enfin, beaucoup ragé, non, j'ai beaucoup crié surtout. J'ai dû vous faire une ellipse pour arriver au truc final. Pour arriver à l'essai final parce que j'ai... recommencer encore et encore. Donc normalement vous avez juste la partie finale qui est déjà pas mal, mais la vidéo ne va pas être très longue du coup. On passe à la suite. Bien sûr, on a des points à mettre. Votre savoir-faire défensif permet à vos alliés d'optimiser le coup. Voilà. Oh, parce qu'il commence à me les briser. We learned something terrible from the Tech Marines when they examined this second swarm of enemy. The conservation store had not been the only place that held our gene seed. The Xenos themselves had taken it into their bodies, corrupting it with their own alien gene code. Their brood lair aboard Caliban's Will had been created in defense of the source of their lifeblood. The Dark Angel gene seed contained in the vault. This brood of gene stealers had to be prevented from reuniting with the Tyranid fleet, lest our heritage be turned into some fresh abomination. We could not let that which our creator made for the defense of mankind be turned against his faithful people. Though hybrid Xenos attempted to launch savior pods containing their alien kin, we cut off the pod deployment and kept safe the blood heritage of Caliban. We cannot be complacent. There may be other means for the gene stealers to depart the Olethros, even though they are currently trapped aboard. Scan data has shown a vast horde of Xenos awakening from countless lairs and hiding places across the Space Hulk. Bolt, blade, and flame will not be enough to hold back this rising tide of Xenos filth. To slow down the gene stealer progression, we must seal off the airlock and stop them from accessing the Caliban's Will. In order to eradicate the threat, I have ordered the armory to release supplies of a mutagenic virus to unleash on the enemy, but it is unstable and must be precisely deployed. We will gather more data using small cyber-altered task units. While they infiltrate the environmental systems and physical layout of the Space Hulk, the Deathwing will engage the enemy to allow the recon to take place. When the cats have completed their task, their machine spirits will guide them back to our lines.
Ok. Donc c'est pas fini. Là on a réussi, on a coincé les Gen Stealers, mais il y a des risques pour qu'ils arrivent à s'échapper. Bon. C'est parti. Ouh. Cette deuxième partie d'épisode risque d'être un peu plus calme. On dirait qu'il y a un bruit de discothèque derrière. Système local connecté. Ok, ça c'est pour avoir la carte. Punaise. Et j'entends déjà des Gen Stealers. Qu'est-ce que vous allez nous balancer encore dans la gueule? Alors, vous inquiétez pas, la difficulté est passée en mode facile. Hein. Là, honnêtement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, on va découvrir l'histoire. Là, ça va être juste pour découvrir l'histoire pendant quelques petits moments. Chercher les artefacts aussi. Parce que je pense que c'est ça aussi qui nous met dans la merde, c'est que j'ai pas trouvé beaucoup d'artefacts. Or, les artefacts sont là pour nous booster. Il y a un artefact d'ailleurs dans le coin. Je l'entends. Et moi je me suis un peu paumé. Mais bon, ça c'est fait. L'artefact est derrière. Ouh. Bon. Je sais pas du tout le chemin que je dois prendre. Nous sommes pas seuls et nous sommes perdus surtout. Alors par là, c'est un cul-de-sac. On doit aller là-haut. Mais je voudrais bien aller dans cette salle, j'entends un artefact moi. Donc, pour le bien, je vais ici, et d'ici, je devrais pouvoir avoir accès à l'artefact. C'est bizarre quand même, enfin bref. On y va. J'allais verrouiller la porte. Je vais détruire la caméra qui est là, mais j'y arrive pas. Allez! Ouais, c'est vraiment pas fait pour ce truc. Ah bah c'est bon, il est mort. Activer. Je vais vérifier qu'il n'y a pas un artefact. J'entends pas d'artefact. Bon, on se casse. Je vais l'artefact. Bonjour. C'est justement par cette porte que je voulais passer. Merci de l'avoir ouverte. Bon, c'est bon. Mais mince! Ah mais... Vous me les brisez!
Ouais, d'accord. Voilà, l'artefact est ici. Relique majeure trouvée. Tiens, il monsieur là. Je me promène, hein. Je sais ce que je dois faire et je sais le chemin, mais honnêtement là je me promène pour trouver les artefacts parce que je suis sûr que c'est ça qui nous fout dans la merde. Voilà. Meuf de croisière. Hein, j'ai pas de temps, j'ai rien du tout, donc je m'en fous. Je pourrais passer 3 heures dans ce vaisseau que j'en aurais rien à foutre. Le truc qui me ferait chier, c'est les Gensiers. Ah! Mais n'y va pas, Glandu. Je vais la détruire de loin. Comme ça. Piratage, merci. Voilà. Un artefact. Je l'entends. Il est là. Artefact mineur trouvé. On va partir par là. Merde. Merci. Si tu veux. On va partir par là. Merci. Celle-là, elle s'ouvre. On va partir, on va faire le tour comme ça. Puis on va arriver comme ça. Promenade simulateur. Oh merde. Bon bah pas par là. C'est verrouillé. Bon. Oh. Oh non! Toi tu meurs! Non? Tu meurs, j'ai dit! J'aime pas ces créatures! Allez, on part par là. On va aller droit vers l'objectif. Promenade est finie. J'en ai marre. Tout droit, droite, gauche, droite, gauche.
droite, droite, gauche, gauche. Droite. Droite. M'en fous, je fais que passer. Fous-moi la paix. J'aurais pu la détruire. Parce que peut-être qu'un jour on y repassera. Mais bon, tant pis. Ah! Oh non, non! C'est quoi? Il y a un gros qui va sortir, encore plus gros que. Ouais, Gen Stealer Alpha. Un autre Gen Stealer Alpha. Très bien. Voilà, il est mort. Ah. Je l'ai détruit tout, hein. Ça se trouve, c'est une erreur. Ça se trouve, j'aurais pu les utiliser pour tuer un gros alpha. Et si ça se trouve, je vais encore me faire chier par des Xenos. Par des Gen Stealer. Allez, j'aime pas ces cadavres de merde. Bon, allez, hop, on active. Advienne que pourra. On verra bien ce qui nous tombera. Bon. Bah non, ils sont pas morts. Voilà. Ouais, opération finie pour moi aussi. Détruire le système de commandement. Je vais devoir y aller à pied parce que à tous les coups. Non, c'est bon. Ah, recharge! Punaise. Cannot pinpoint the location of the psychers. Find them, kill them, and take glory in their deaths. Ok, bon, sauvegarde auto, on va s'arrêter là. Voilà, je voulais finir sur une petite note un peu calme pour. Ok. Ok, c'est censé m'aider? Ok. Bon. C'est pas grave. Donc on va s'arrêter là. Donc je disais, je voulais m'arrêter sur une petite note calme, tranquille. Enfin, pour baisser un peu la tension du dernier chapitre. Donc voilà. Allez. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Désolé pour les cris que vous aurez pu entendre. Et puis à la prochaine. Bisous.